Au Malaï Saint-Gondoswané, devant le Palais Royal, beaucoup de monde pour l'arrivée de Jean-Jacques Kerhan, accueilli par le Lavelloua, le Kivalou et la chefferie. Séance d'habillage ensuite pour le ministre, accompagné de trois conseillers et de madame. Les présentations terminées, une cérémonie de cava royale a été offerte aux invités par le village de Likou. Jean-Jacques Kerhan, le vicaire général Patélissé Pilioko et le préfet ont eu droit aux coupes d'honneur. Au nom de la chefferie, le Mahé, un des ministres coutumiers, a pris la parole souhaitant la bienvenue aux représentants du gouvernement. Il a par ailleurs rappelé l'article 3 du statut du territoire, texte garantissant aux populations de Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes, soulignant le rôle important de la chefferie. Selon le Mahé, elle doit être le catalyseur de l'action administrative et s'efforcera de poursuivre son évolution. Plus tard et après le cérémonial coutumier, devant le ministre, les villageois de Halalo, Bailala et Hafwasia sont venus exécuter des danses traditionnelles fort applaudies par les invités et le public présent sur le Malaé. Je vous laisse apprécier. Oh,